tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite expérience parce que en fait j'ai craqué sur eBay pour ces petites choses. Certaines connaissent, d'autres pas. Et du coup bah, on va faire le test ensemble pour celles qui ne connaissent pas. Alors le principe c'est qu'en fait ça boucle les cheveux sans chaleur. Donc à l'aide de ces, j'en ai sorti deux, de ces petits caoutchoucs. Donc c'est vraiment matière... Ouais, matière caoutchouc. Il y a les gros comme ceci et les plus fins mais plus longs. Enfin, un chouïa plus long quand même. Donc le principe c'est qu'on fait rentrer le cheveu au bout comme ça. Il peut ressortir de l'autre côté ou pas et vous le posez sur la tête. Vous laissez poser 45 minutes et puis vous avez le cheveu bouclé. Je n'ai pas testé, je les ai reçus, j'attendais d'avoir le temps de le faire. Là j'ai le temps aujourd'hui. Donc on va pouvoir tester ça ensemble, voilà. Ils disent qu'il faut avoir les cheveux à 30% humides, donc en fait je sors de la douche, je vais me coiffer les cheveux. Alors ils sont quand même encore pas mal humides, donc je vais les sécher. Avant de les sécher, j'applique donc un soin, le soin Okara de chez Furterer sur toutes mes longueurs. Ensuite, vu que je vais me sécher les cheveux, je vais quand même appliquer un protecteur de chaleur, donc toujours celui de chez René Furterer. Voilà, et je vais appliquer aussi, parce que je me dis on va boucler, donc volume, et donc je vais appliquer un soin volumateur. Donc toujours de chez René Furterer, vous allez croire que je bosse pour le labo à la fin. Voilà, alors j'aime ce soin, en fait il se met aux racines et s'active au contact de la chaleur. Je l'aime beaucoup parce que je trouve qu'il assèche un peu les racines. Et vu que j'ai le cuir chevelu à tendance grasse, et ben je trouve ça pas mal, du tout même. Donc voilà, je l'applique vraiment qu'au niveau des racines. Et c'est parti pour le séchage de cheveux. Donc voilà, je pense que j'ai les cheveux à 30% humides. Du coup, je vais attacher le haut. Ah non, j'ai oublié. Ils disent avant qu'il est préférable d'appliquer une mousse. Donc je vais appliquer la mousse que j'ai depuis des années, que je ne me sers jamais. Expert Brushing Mousse Coiffante Professional de chez Franck Provost. Voilà, donc je vais l'appliquer. Voilà. Et donc le principe, je sais pas par quoi commencer. Bon, je vais commencer par les fins. Alors on prend, c'est livré avec une petite petit truc bidule comme ça qu'on assemble, voilà, qu'on rentre dans le boudin et voilà. Ensuite il y a une petite ouverture, donc on prend la mèche de cheveux. Alors je sais pas trop quelle taille il faut prendre de mèche de cheveux. Je vais essayer comme ça. On rentre le cheveu dans la petite ouverture. Et là, on va venir chercher le boudin et tirer la mèche de cheveux dans le boudin. Voili, voilou. Et donc on fait ça sur toute la tête. Ouh, tête 2. Caniche, on continue. Bon, comment vous me trouvez? Non, dernière partie, les mèches du haut. Ça donne une fois que j'ai mis tous les caoutchoucs dans mes cheveux. Donc là je ne vois rien, voilà, il va falloir que je les coince quelque part pour pouvoir quand même voir. Voilà, voilà, ça me semble plutôt correct. Alors il est 19h, je crois que j'ai commencé à les mettre, il devait être ah, j'aurais dû regarder, il devait être 18h15-20. Voilà, approximativement. Donc j'ai mis un peu plus d'une demi-heure, pas tout à fait trois quarts d'heure. Donc c'est minimum
minimum 45 minutes de temps de pause. Je vais faire mon ménage et puis on se retrouve dans une heure pour déballer tout ça. J'ai hâte de voir parce que vraiment, vraiment j'ai pas testé. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Je vous dis à tout à l'heure. Donc voilà, il est 20h, ça fait donc plus de 45 minutes, ça fait 1h10 que j'ai laissé poser. Donc on va retirer tout ça et on va voir ce que ça donne. J'ai tout enlevé, donc là je trouve que ça fait un peu mouton, faudrait coiffer, mais sinon voilà, ça marche assez bien. Alors les gros comme ceci marchent pas tant que ça, puisque je vais vous montrer une mèche. Voilà, ça fait ça, donc ça fait plus ondulé que frisé. Et par contre les tout fins, là on a vraiment voyez, on a vraiment une belle boucle. Oui, je pense que là ça va retomber un peu. Je vais essayer de laquer. Je pense que ça va retomber, donc ça fera un peu moins bouton. Mais voilà, dans l'ensemble, je suis assez satisfaite du produit. Alors je dirais défaut, c'est assez long à l'application, hein, comme je vous ai dit, une demi-heure. Et ça peut tirer un petit peu quand on a les cheveux un peu trop humides. Voilà, ça tire, faut vraiment pas qu'il soit trop humide. Voilà, et avantage, pas besoin de fer à friser, donc pas besoin de chaleur, on abîme beaucoup moins les cheveux. Ça pose pendant qu'on peut faire autre chose, donc voilà, ça c'est l'avantage. Alors j'ai acheté tout ce kit 14 € en tout sur donc eBay US. Et voilà, donc là je trouve que ça commence déjà un petit peu à retomber. Et non, ma foi, c'est plutôt joli, je suis assez contente. Maintenant, est-ce que je vais le refaire? Parce que voilà, il faut une demi-heure avec le fer à friser, on met aussi une demi-heure. Donc, en même temps, là, les cheveux sont vraiment tout doux, on les abîme pas du tout avec la chaleur. Donc, voilà, je sais pas comment me coiffer. Voilà, donc, écoutez, j'espère que cette petite démo vous aura plu et que ça pourra vous aider dans vos futurs achats. Donc, moi, je dirais oui, allez-y. Achetez-le, voilà, c'est plutôt pratique, c'est plutôt bien pour ne pas abîmer les cheveux, pour celles qui ont déjà les cheveux très abîmés et qui du coup refusent de les boucler pour pas les abîmer encore plus. Voilà, je trouve que c'est une très très bonne alternative. Si vous voulez juste des ondulations, partez sur le gros boudin. Si vraiment vous voulez des petites frisettes, voilà, partez sur le boudin assez fin. Les ondulations, donc ça fait ça. Hein. Ça fait à peine une ondulation en fait. Donc non, le gros boudin, franchement, ça sert à rien. En tout cas, pas sur moi. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde.